Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'appelle Karl Rossmann et je vais vous raconter mon histoire. Ce qui sera annoncé dans cette vidéo n'est que pure vérité. Absolument rien n'a été inventé. Tout est ma véritable histoire. Par conséquent, rien ne sera censuré, même si cela peut choquer certains d'entre vous. Hé Néo, je te dérange ? Goldie, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai entendu ta voix, donc je m'incruste ? Ok, tu veux nous parler de quoi ? Tu t'apprêtes à parler d'un mec de la division de Panzer intégré à la Hermann Göring ? C'est bien ça. Tu veux nous parler des chars qui ont été utilisés, je parie ? En effet, durant toutes ces campagnes, la Panzer Division utilisa plusieurs types de chars. Panzer 3, Panzer 4... Sturmgeschütz 3, Jagdpanzer 4 et Panther. Commençons par le Panzer 3. Est-ce que tu peux nous en faire une rapide présentation ? Le Panzerkampfwagen 3 fut conçu à la fin des années 30. Le premier Panzer 3A, sorti en mai 1937 des usines, répondant aux exigences de Guderian, être capable de rouler à 35 km/h et peser moins de 15 tonnes, pour pouvoir utiliser les ponts posés par les sapeurs. Il fut développé en 14 versions, allant du Panzer 3A au Panzer 3M, avec des versions intermédiaires. Il fut rapidement remplacé par le Panzer IV, le 3 ayant rapidement trouvé ses limites face aux chars soviétiques. Merci, tu peux nous montrer le Panzer IV maintenant ? Golgi ? T'es toujours avec nous ? Golgi ? Ça va, j'ai encore quelques vies. C'est en octobre 1937 que le Panzer IV est sorti des usines sous sa première version, le Panzer IVA. Le Panzer IV a été développé en 10 versions, plus une version amphibie qui était un dérivé du Panzer IVD. La première version pesait 18 tonnes, et les besoins de plaintage supplémentaires porta le poids de la dernière version, la version d'avril 1944, à 25 tonnes. Les versions B et G... Ah, tu parles de moi, la version BG. Les versions B et G pouvaient atteindre les 42 km/h contre les 38 km/h pour les dernières versions H et J. Les Panzer 3 et 4 ont permis de développer les Sturmgeschütz 3 et 4 en réutilisant le châssis. Ok, tu peux nous en parler ? T'es nul en fait, non ? Merde, une de moins! Ainsi donc, les Sturmgeschütz 3 et 4 étaient des blindés destinés à l'artillerie, basés respectivement sur les Panzer 3 et 4. Le canon devait avoir un déplacement latéral de 25 degrés au minimum, et être monté dans une superstructure fournissant une protection à l'équipage comprenant une protection sur le dessus, contrairement à des canons classiques. Le Sturm 3 a eu 8 versions, allant de la version A à la version G, la plus construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci Golgi, à savoir que le Sturm 4 suit exactement le même principe, sauf qu'il n'y a eu que 1108 exemplaires de construits contre 10 000 Sturm 3. Golgi, t'es avec nous ? Désolé, le Jagdpanzer 4 était une sorte de grand frère du Sturm 4. Il fut développé malgré l'avis contraire de Guderian, qui trouvait que les Sturm 3 et 4 faisaient déjà leur travail de blindé anti-char. Il était fortement blindé à l'avant, et il était moins mobile et plus difficile à manœuvrer. Il fut donc surnommé le canard de Guderian, comme un clin d'œil. Il y a eu 4 versions développées à partir de janvier 1944, et environ 2000 exemplaires ont été fabriqués. Merci Golgi. Et enfin, le Panther. Tu commences à être lourd là. Et voilà, c'est ma dernière vie. Le Panzer V, surnommé Panther, connut 3 versions de 1943 à 1945. Son baptême du feu fut la bataille de Koursk. Il fut la réponse directe au T-34 soviétique qui surclassait tous les chars allemands jusqu'en juillet 1943. Son principal point faible résidait dans le fait qu'il n'était pas fiable. De nombreuses pièces cassées. Et 45 tonnes, ça ne se manœuvre pas comme ça. Effectivement, et vous voyez à l'écran le char que j'avais à l'époque. Merci Golgi, vous êtes prêt à embarquer pour découvrir mon histoire ? Alors c'est parti. Mon nom complet est Karl Franz Josef Rossmann, mais vous pouvez m'appeler Karl, nous sommes intimes maintenant. Je suis né le 23 novembre 1916 en Bavière, en pleine Première Guerre mondiale. Comme tout Allemand qui veut avoir une perspective d'avenir à cette époque, je me suis engagé dans les SA le 1er avril 1936 et commençais ainsi à servir l'Allemagne. Cette date est importante, et ce n'est pas une blague. C'est durant cette période que j'ai pu obtenir ma première médaille. Qu'est-ce que j'étais fier ! Il s'agit du badge de sport réservé au Sturmabteilung. Mes parents étaient fiers de moi. J'ai intégré le 5e régiment de Flak, donc anti-aérien, en tant que cadet. Je voulais faire une grande carrière d'officier dans la Luftwaffe. Le 1er septembre 1937, je suis ensuite transféré comme aspirant dans la 2e batterie anti-aérienne du régiment Général Göring.
régiment nouvellement créé à partir d'anciens membres de la police. C'était la Landespolizeigruppe Wecke, ce qui m'a permis de participer à l'Anschluss du 12 mars 1938, me permettant ainsi de recevoir une médaille commémorative, visible ici sur ma barrette. Point presse n'était pas bien compliqué, les Autrichiens étaient globalement d'accord. Le 1er avril 1938, je suis passé sous lieutenant. Enfin, je devenais un officier. Encore un 1er avril, je vous l'avais dit, le 1er avril est symbolique pour moi. Le 15 mars 1939, j'ai participé à l'annexion de la Tchécoslovaquie. Encore une médaille sympathique reçue, et avec la barre de Prague, s'il vous plaît. À l'été 1939, j'ai été assigné au quartier général du Führer. C'était intimidant de rencontrer notre chef, Adolf Hitler. Assez marrant de voir un petit brun moustachu aux yeux marrons, prenez la race aryenne, c'est-à-dire les grands blonds aux yeux bleus. Heureusement que la presse de l'époque était en noir et blanc, sinon son discours n'aurait peut-être pas fait le même effet. Je devais l'accompagner dans ses déplacements sur le front. Je suis passé lieutenant en avril 1940. Devinez le jour exact ? Bingo, 1er avril. On m'a mis responsable de la 16e batterie anti-aérienne au sein du régiment Général Göring. Vous voyez pas ce que c'est ce régiment ? Il s'agit d'un régiment d'élite fidèle à Hermann Göring, qui portait le même nom vu que le mec était complètement mégalo. Par solidarité, on est tous devenus accros à la morphine et à la coke. Non, je plaisante, enfin, pas moi en tout cas, mon médecin, il n'était pas en état de signer l'ordonnance. Après, petite précision, même si Göring était fou, les mecs de la Luftwaffe étaient très compétents, très pros. Les hauts dirigeants venaient principalement de familles aristocratiques reconnues. J'ai participé à l'opération Barbarossa fin juin 1941, où j'ai été blessé. Mais cela ne m'a pas empêché de recevoir la croix de fer seconde classe le 29 juin 1941, puis la croix de fer première classe le 17 juillet. Moins d'un mois entre les deux décorations. Mes camarades de batterie étaient fiers. Il y en a même un qui m'a surnommé Super Rossmann. Pour ma blessure, j'ai reçu l'insigne des blessés noirs le 7 juillet. Le 19 septembre 1941, j'ai reçu l'insigne de défense anti-aérienne de la Luftwaffe, car j'ai atteint les 16 points requis, à savoir que le barème était le suivant. 4 points pour les servants de la batterie ayant abattu un avion, 2 points pour le personnel ayant collaboré à la destruction de l'avion, et 1 point pour avoir été le premier à capturer l'avion ennemi dans le faisceau de son projecteur. C'est également à cette même période que j'ai pu recevoir ma médaille des 4 ans d'ancienneté dans la Luftwaffe. Visible ici sur ma barrette. Pour mes actions héroïques à Orel en Russie centrale, j'ai été décoré de la croix de chevalier de la croix de fer le 12 novembre 1941, ainsi que la croix de guerre du mérite avec glaive qu'on peut retrouver sur ma barrette de médaille. Un peu après, j'ai été transféré en France avec mon unité, après avoir reçu l'insigne d'assaut argent, ayant combattu des unités au sol alors que je ne fais pas partie de l'infanterie. Je suis promu capitaine le 1er juillet 1942, et on m'a donné le commandement de la première compagnie du régiment blindé Hermann Göring. 2 mois plus tard, j'ai reçu ma médaille du front de l'Est. Elle aurait mis du temps à arriver, mais finalement, je l'ai reçue. C'était livré par Deutsche Krone Post, c'est pour ça que ça a mis du temps. Mais rien que pour faire chier Deutsche Krone Post, j'ai décidé de ne pas la porter. Bon, j'avoue que la France, c'était pour du repos, en plus, en Bretagne. J'ai pu y découvrir une spécialité locale. Ça ressemble à un galet de Panzer, mais en plus mou, et plus comestible. Ils appellent ça crêpe. Ça rend pas mal une fois monté sur un Panther. Ça fait un Panzer crêpe. J'ai ensuite été envoyé en Sicile en 1943, puis dans le sud de l'Italie avec mon unité pour repousser l'invasion alliée. C'est le 1er janvier 1944 que je suis passé commandant et j'ai brièvement pris la direction du régiment de reconnaissance de la Panzerdivision Hermann Göring. Mais finalement, on m'a redonné mon affectation précédente à la tête du 1er régiment. Le 20 mars 1944, j'ai reçu la croix allemande or pour récompenser mes brillants états de service. Service, j'ai oublié une lettre. État de service. Avec cette unité, j'ai combattu en Prusse orientale et sur la tête de pont russe de la Vistule à Varka. Le 1er février 1945, j'ai pris le commandement du Fallschirmpanzer Regiment de la 1ère Fallschirmpanzer Division. Et c'est également à cette date que j'ai été décoré de la croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de chêne. Je n'aurais jamais pensé vivre aussi longtemps pour pouvoir recevoir cette honorable décoration. Par contre, c'est difficile à dire, hein. Croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de chêne. Le 1er mars 1945, je suis passé lieutenant-colonel et j'ai participé à la dernière grande victoire blindée allemande, en Basse-Silésie, à partir d'avril 1945. Cette bataille n'avait pas pour but de prolonger la guerre de manière fanatique, comme d'autres batailles ont pu avoir lieu à ce moment, mais pour protéger des civils compatriotes pendant leur fuite. Nous sommes retrouvés face à des chars polonais. Durant cette bataille, 17 de nos panthères détruisirent 43 de leurs chars polonais en l'espace de 20 minutes, grâce à une embuscade bien étudiée. 12 chars polonais, des IS-2, furent tout de même capturés pendant la bataille, reconverti rapidement en char allemand grâce à un coup de peinture sur les étoiles. On peut me voir ici, en photo, sur l'un de ces monstres. Finalement, les civils ont pu être évacués et le lieu resta allemand jusqu'à la capitulation. Nous nous sommes ensuite dirigés sur l'Oder-Neisse pour rejoindre une zone américaine pour finir la guerre. Mais nous avons échoué. L'armée rouge nous capturant avant d'atteindre notre objectif. Certains d'entre nous ont essayé de s'échapper, mais c'est la résistance tchèque qui s'est chargée d'eux et de les exécuter.
Après la guerre et ma période de captivité, j'ai pu reprendre mes études de médecine et obtenir un doctorat en médecine pour devenir le docteur Rossmann. C'est classe, hein. J'ai même été modèle pour figurine ou un sixième après. On me reconnaît avec mes petites lunettes. Je suis mort le 1er avril 2002, comme par hasard. 1er avril, à Bad Kreuznach. Il paraît que j'ai reçu les honneurs militaires, ceci en présence de la Bundeswehr. Pas mal, hein, pour quelqu'un qui fait que son travail pendant la guerre. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de VIP. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Je vous invite également à me rejoindre sur Tipeee, cela vous permettra de m'aider autant sur la forme des vidéos que sur le fond. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de plantation de répliques d'Airsoft, de répliques d'Onyx, d'uniforme ou de VIP. Auf Wiedersehen! Frau Lein. Vous des Frau Lein.